juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France dans le sillage de son allié nazi. L'armée des Alpes, commandée par le général Ollery, déjà en état d'alerte maximale, prend position au sein des vallées dont elle a la défense. En dépit de la grandeur de l'attaque, les troupes de montagne s'accrochent au terrain et bloquent les avancées italiennes sur toute la ligne de front. Pendant ce temps, bénéficiant de l'écroulement du reste de l'armée française, les Allemands progressent vite afin de conquérir un maximum de terrain avant l'armistice. Celui-ci survient le 16 juin sur le front allemand, mais une des conventions prévoyait que les combats ne cesseraient que lorsque la France aurait également signé un armistice avec l'Italie. Les combats font donc rage sur le front des Alpes. Le général Ollery craint que l'armée des Alpes ne soit attaquée sur ses arrières par les troupes allemandes qui descendent en trombe au soutien de l'allié italien bloqué. Il demande alors au général commandant la 16e région de Lyon de rassembler des moyens en vue de ralentir les Allemands. La situation se complique lorsque le 18 juin, le général Weygand décrète Lyon ville ouverte, forçant la troupe du général Cartier à abandonner sa première ligne de défense sur le Rhône en laissant toute latitude au général Hoppner de traverser le Rhône à la tête du 16e Panzerkorps et de fondre sur les arrières de l'armée des Alpes. Une deuxième ligne de défense est alors improvisée sur l'Isère, s'appuyant à gauche sur le Rhône et remontant vers Fort-l'Écluse, au nord, par Voreppe. Le sous-groupement commandé par le colonel Briat Savarin tient Voreppe et barre la route de Grenoble. Il est constitué de troupes hétéroclites qui proviennent des centres d'instruction, de permissionnaires n'ayant pas pu rejoindre leur corps ou de détachements non vitaux pour la défense des Alpes. Les pièces de 65 mm de montagne situées au pied du bec de l'Échaillon sont sous les ordres du lieutenant Dulin et proviennent du centre de l'organisation de l'artillerie de montagne de Grenoble, regroupant les unités d'instruction du 2e et du 93e régiment d'artillerie de montagne. Cette batterie sera l'élément majeur de l'échec de la seconde attaque blindée allemande du 23 juin matin vers 5h. Le lieutenant Dulin, accompagné du capitaine Lombard, ancien commandant d'unité de la 4e batterie et commandant l'artillerie sur Voreppe, bénéficie d'excellentes conditions d'observation depuis le bec de l'Échaillot. Il voit s'approcher blindés et motards et déclenche un tir de barrage sur le carrefour de la crue de Moiran. Le char lourd de tête, Panzer IV, à un incident de tir obligeant son équipage à sortir. La salve d'artillerie des 65 de montagne percute une maison et les éclats tuent les sous-lieutenants Schwant et le caporal Irgang, les motocyclistes refluent et deux autres blindés sont touchés. Les Allemands renoncent à poursuivre l'attaque. Puis, le 24 juin, l'arrivée du capitaine Azaïs de Vergeron du 104e régiment d'artillerie lourde automobile avec ses trois batteries d'artillerie lourde, deux batteries équipées de canons de 105 mm et une batterie équipée de canons de 155 mm, neutralise toutes les velléités d'attaque de la 3e division de Panzer en tirant plus de 600 coups. Cette intervention constitue pour les forces allemandes une énorme surprise, les pièces ayant été déployées dans le plus grand secret dans la nuit du 23 au 24 juin. Elles provoquent des dégâts humains et matériels très importants, stoppant l'offensive sur Grenoble. L'observatoire et les équipes d'observation situées au bec de l'Échaillon se sont révélés un atout tactique déterminant dans les combats autour de Voreppe, permettant à l'artillerie française d'obtenir des renseignements de première main et essentiel pour la conduite des tirs contre l'ennemi. La bataille de Voreppe est terminée le 25 juin 1940 à minuit 35, heure effective de la cessation du feu. Malgré les effectifs et l'armement employés, la 3e Panzer Division n'est pas arrivée à percer la position. Celle-ci, fortement tenue et renforcée durant la nuit du 23 au 24 juin par une puissante artillerie, représentait un obstacle trop important pour être prise sans trop de pertes. La majorité de l'aviation allemande était occupée sur le front de la Manche. La présence de nuages bas, interdisant tout vol d'importance, a évité une intervention des appareils disponibles qui aurait été décisive. Ce wagram isérois permet à Grenoble d'échapper à l'invasion allemande jusqu'en 1943. Les équipes d'observation du 93e régiment d'artillerie de montagne continuent à l'heure actuelle de guider les tirs des canons des artilleurs de montagne aux quatre coins du monde. Ces spécialistes de l'appui-feu ont ajouté plusieurs compétences par rapport à leurs glorieux anciens, notamment grâce au Joint Terminal Attack Controller qui gère l'appui aérien.